Le foutaise, ça ne va jamais finir dans ce pays. Le foutaise, quoi, ça ne va jamais finir dans ce pays. Des vérités sur cette vidéo. Vous allez voir les vérités là plus tard, pas aujourd'hui. Plus tard. Que c'est Alpha Condé qui lui a dit et Kasuri qui lui a dit de chercher maison pour elle à Kaloum. Une dame, Zainab Touré, là. Mais vous vous prenez pour qui dans ce pays? Vous pensez que comme le régime là est à la tête de ce pays pour faire souffrir cette population, vous pensez que vous aussi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez des gens dans ce pays? Vous n'avez pas d'état d'âme, vous n'en avez pas. Ce qu'on appelle l'état d'âme, vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Mais, énormément ce soir, parce que la dame qui a été expulsée à Sanfil, elle s'appelle Abi Batu Bangura. Une soussou sur son territoire a été expulsée. Comment? Celle qui l'a expulsée politiquement. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est ce que la dame Zainab Touré a pris comme argument pour faire expulser la dame. Abi Batu Bangura, une soussou. Elle a expulsé, usé de ses forces politiques aujourd'hui de faire expulser la dame Soussou qui n'a rien en disant que c'est Alpha Condé et Kasuri qui lui ont dit de chercher maison pour elle dans Kaloum. Ah, donc Kaloum c'est pour Alpha Condé quoi. Kaloum c'est pour Kasuri quoi. Ah, Dunia. Dunia. Agbe Moulour, Warao Sorobara. Agbe Moulour, Warao Sorobara. Vous allez vous piquer dans la bouillie bientôt. Parce que Kaloum, c'est la bouillie. C'est pas facile de voir une aiguille dans la bouillie. Ce n'est pas facile. Jamais on ne verra une aiguille dans la bouillie. Donc, cette dame Zainab Touré a expulsé Abi Batu Bangura au nom de Alpha Condé et de Kasuri. Politiquement. Politiquement. Le président Alpha Condé et son premier ministre Kasuri Fofana trouvaient une maison pour Abi Batu Bangura là où elle va loger. Parce que Zainab Touré a dit que c'est vous qui avez dit de chercher une maison pour elle dans Kaloum. Donc, Zainab Touré, avec toutes ces maisons qu'elle a, les villas qu'elle a là, ça ne l'a pas suffi. Elle est partie expulser une sœur à nous. Pauvre dame qui n'a nulle part où aller. Ses affaires sont restées en bas de la cité de Sanfil. Elle n'a nulle part où aller avec tous ses enfants-là. Comment on peut être méchant jusqu'à ce point? Comment on peut être méchant jusqu'à ce point? Ah, donc le nom Alpha Condé là, le nom Alpha Condé là, c'est devenu ange de la mort quoi. Alors que le nom Alpha Condé, le nom Ahmed Sékou Touré est 10 000 fois plus fort que ça. Parce qu'il y a des gens, à l'époque du feu président Ahmed Sékou Touré, quand on disait seulement son nom, on te prend, on te met en prison. On te prend, tu disparais à vie. À vie, on ne te voit pas. On ne va plus te voir. Donc,
Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais si c'est vrai que ce que cette Zainab Touré l'a dit, que c'est Alpha Condé et Kassori qui lui ont dit de chercher une maison pour elle dans Kaloum, il faut donner une autre maison à Abibatou Bangoura, au Bangébet et sur Abibatou Bangoura. Parce que Abibatou Bangoura, c'est une fonctionnaire. Elle n'est pas retraitée. Elle n'est pas retraitée. Vous devez lui donner une maison. Forcément. Au Bangiso Manafay. Parce que autant falloir bourrer à sa bangéfé. Na fanto cigare, mou bangéo tori, abiba touturé nanto a rabangé kui. Anara mine a rabangé kui. Parce que affaire en denai. Affaire en denai. Parce que semben denai. Parce que ruin denakon. Un matin bonheur. La dame Abiba Toutouré, elle se réveille. Devant sa porte, il y a les militaires qui sont arrêtés, des loubards, qui l'ont expulsé de force. On ne lui a même pas donné un préavis. Dire que, ah, tu vas sortir dans tel mois, dans tel mois, dans tel mois. Mais vous voulez faire quoi de notre pays? Autant sosoué, ou mangé, ou nomini, ou c'est soutenu. Araso wonde. Parce que la dame, je l'ai entendue à Tabiba Toutouré, je l'ai entendue. Moi, j'ai voté pour Alpha Condé. Maintenant, tu as voté pour Alpha Condé. Maintenant, regarde là où le président à qui tu as voté, ses proches, tantes-là, sont en train de te faire. Tu as voté pour Alpha Condé. Elle n'est pas retraitée. Elle travaille. Elle a le droit de rester dans cette maison. Elle n'a pas d'arriéré d'impayé de loyer. Parce que Zainab Touré a fait toutes ces recherches-là. Elle n'a pas trouvé une pauvre personne. Elle a fait ses enquêtes comme ça. Là. Parce que vous savez, ces gens pareils-là, elles font des enquêtes pour savoir que réellement, cette personne-là, si je la touche, il n'y aura personne qui va sortir derrière. Lui-là, si je le touche, il a des relations, il va faire ceci, il va faire cela. C'est cela. La loi du plus fort. Elle a usé de ça. La loi du plus fort. C'est ce qu'elle a fait. Vous, Madame Zainab Touré, là, vous êtes forte aujourd'hui parce que vous avez dit les noms des gens qui sont à la tête de ce pays. Mais Dieu est plus fort que vous. Avec toutes vos richesses là, avec tout ce que vous gagnez là, sur le dos de cette population, pauvre population là. Vous n'avez pas trouvé autre chose encore à faire que pour faire sortir les citoyens, les pauvres citoyennes qui cherchent seulement, c'est-à-dire à poser leur tête. Oh non, mais mon émoui, on m'a ébouré quoi. Non. Mais fais ma saramène. Maintenant, pendant que à Kaloum, Bagataï, là où nous, nos ancêtres, ont rasé, ils ont eu nos grands-parents dans ça. Nos grands-parents ont eu nos papas dans ça. Nous nous sommes élevés dans ça, on a grandi dans ça. Notre négligence. On s'est dit quoi, les sous-sous? Ah, Kaloum nous appartient. Tous les concessions à Kaloum, c'est pour nous. C'est pour nous. On ne travaille pas, on se laisse. On a compté sur les gens. Restez derrière les gens. Aujourd'hui, le sous-sou est le plus minable. Plus minable. Parmi toutes les ethnies en Guinée. Plus minable. Je suis sous-sou, je le dis. Alors que là où la femme, là, elle doit rester à vie chez ses ancêtres, là où ses ancêtres ont rasé complètement, elle est devenue fonctionnaire là-bas, elle travaille, elle paye le loyer. Un beau matin,
une personne sortie de nulle part parce qu'elle dit qu'elle est avec Alpha Condé, que la dame n'a qu'à sortir de la maison. Ah ouais. Une autre facette de ce régime. Mais je vais vous dire cette chose à retenir dans cette vidéo. Il y a une guerre en coulisses qui est en train de se passer en Guinée. Ça s'appelle le karma. Cette guerre, son nom, c'est le karma. Le karma, le péché de la population guinéenne. La guerre aujourd'hui entre les militants du RPC. RPC, je ne dis pas RPG, hein. RPC. Et les militants du RPG. C'est-à-dire, ils sont dans le même camp, mais ils ne s'entendent pas entre eux. Ils ne s'entendent pas entre eux. Le RPC, le côté des malinqués, et le RPG, le côté soussou, vous savez bel et bien ce qui est dedans. Chacun fait le combat pour ses intérêts. Voilà. Et vous savez bel et bien que le RPC veut poursuivre, c'est-à-dire veut éclaircir la vérité sur l'affaire de 200 milliards. Le RPC veut établir la lumière. Comment est-ce que les 200 milliards sont partis? Et le RPG, côté Soussou, a démenti ça. Donc, asseyons-nous, observons-les. Le karma de Dieu, le combat est en train de se passer. Est en train de se passer. Ce nouvel acte, c'est-à-dire ce nouvel acte, cette expulsion de cette dame Soussou, c'est un autre karma que Dieu a envoyé. Parce que les gens sont en train d'observer tout. Les gens ne sont pas aveugles. Les gens sont conscients. Les gens observent tout. Ils sont conscients. Tout ce qui se passe dans le pays là, vous pensez que les gens n'écoutent pas ou bien ils ne regardent pas. Les gens écoutent tout. Ils regardent tout à la lettre. Donc, le RPC aujourd'hui et le RPG aujourd'hui, c'est la guerre des intérêts. Ils attendent tous quoi? Ils attendent tous quoi? Après leur boss là, qui vont être à la tête? Ah ouais, c'est là-bas qu'on va dire bang bang. La bataille de Kirina entre Soumangourou Kanté et Soundiata Keita. L'Empire Soussou et l'Empire Mandeng. La bataille de Kirina, ça se prépare modernement. Je ne parle pas de la bataille de Kirina de 1235, hein. Je parle de la bataille de Kirina qui a commencé dans les coulisses du RPC et du RPJ. Le royaume Soussou et le royaume Mandeng. Donc, cette nouvelle acte du royaume Mandeng contre le royaume Soussou, l'expulsion de Abibatou Bangoura. Ne faites pas ça. C'est pourquoi c'est écrit dans la vidéo « Mise en garde ». Mise en garde. Mise en garde. Nous sommes tous des Guinéens. Tous des musulmans. Appelés à vivre ensemble. Si Dieu vous a donné la possibilité de gouverner ce pays aujourd'hui, et que Dieu a mis des personnes, c'est-à-dire des personnes, des citoyens lambda, sans rien, mais le minimum, laissez-les dans ce qu'elles sont en train de vivre, dans là où elles sont. Ne les déguerpissez pas. Je vous dis ça clair, haut et fort.
ils sont en train de me regarder. Ils savent que c'est la vérité. Ce régime est divisé. Ils ne viendront pas nous le dire en face. Parce que ceux qui se sont battus pendant des années, pendant 40 ans là, ils n'ont rien eu. Rien. Sauf des petites maisons de taudis là. Ceux qui sont venus 10 ans là, 5 ans là, eux ils ont des villas, des grosses cylindrées. Ceux qui sont venus les 2 ans là, ils ont les grosses cylindrées, les 3 ans là, ils ont les grosses cylindrées. Donc c'est là que le karma de Dieu est en train de faire le boulot pour nous. Ce que j'ai à vous dire, mes chers tontons, si il s'avère et que c'est réel, cette dame Djenabou Touré a dit que c'est Alpha Condé et Kassori qui a dit de chercher maison pour elle dans Kaloum et qu'elle n'a pas trouvé une autre maison sauf la maison de Abibatou Bangoura. Je vais vous dire calmement, monsieur Alpha Condé et monsieur Kassori, de trouver une autre maison, de donner à madame Abibatou Bangoura. Soit de la retourner dans sa maison, parce que c'est une fonctionnaire, elle paye le loyer, elle n'a pas d'arriéré, et de sanctionner toutes les personnes qui sont responsables de son expulsion. Parce que ça, ça vous salit. Ça vous salit. Que vos noms soient même prononcés dans ça, c'est un gros échec. Madame Djenabou Touré, vous, vous êtes qui pour faire ça à une personne? Que c'est Alpha Condé qui lui a dit de chercher maison. Et Kassori qui lui a dit de chercher maison. Mais regardez-moi ce mot de foutaise-là. C'est Alpha Condé et Kassori qui m'a dit de chercher maison. Ah bon? Donc c'est la maison d'une fonctionnaire Soussou, que vous êtes parti, comme elle est pauvre, elle est avec ses enfants, vous n'avez même pas eu pitié de ça. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui en Guinée qui sont capables de donner une maison à une famille. Ils ont vu seulement que cette personne a une famille. À cause de ça, de cette pitié-là, ils donnent la maison. Pendant que vous avez des villas, ça ne vous a pas suffi. Ah, si c'était une bonne personne, si c'était pas méchant, si c'était pas méchant et si c'était pas irréfléchi, quand vous étiez venu pour voir la maison de cette dame, à cause de sa pauvre famille, vous allez aller ailleurs chercher cette maison. Mais c'est le karma qui vous rattrape. Vous pensez que vous avez gagné, madame Djenabou Touré, parce que vous avez envoyé les militaires faire sortir la dame? Le karma vous rattrape. Aujourd'hui, là, tout le monde parle de ça. La dame est dans les médias. La dame, elle parle. Le monde entier aujourd'hui savent que la personne qui s'appelle Djenabou Touré, c'est une personne méchante. C'est une personne haineuse. C'est une personne qui n'est pas bien pour le pays. Donc, ça, là, c'est une bonne chose pour cette dame, Abibatou Touré, Abibatou Bangoura. C'est une bonne chose pour elle. Nga fele be ma gine Abibatou. Il n'a pas découragé. Il m'a dit qu'on a dit. Allah ira bar inera. Allah moufé fera ba ma foura. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Si aujourd'hui Dieu a fait qu'on vous a expulsé là, c'est parce que Dieu a fait ça pour quelque chose. Et pour cette chose-là, seul Allah le sait. Il ne faut pas que vous vous découragez de ma soeur Abibatou Bangoura. Hein? La bataille de Kirina est en chemin. Pas de 1235, hein, mais de 2020, 21, 22, Inch'Allah. On le verra ici. Vous allez faire sortir mon live là ici. Parce qu'aujourd'hui, dans ce régime, chacun cherche son intérêt personnel. Personnel, pas l'intérêt du pays, pas l'intérêt de la ville là où il est, ni l'intérêt de la préfecture d'où il vient. Son intérêt personnel. Le RPC contre le RPG. Modèle
10 dernières années. Ah, le karma de Dieu est fort. C'est fort plus que les 10 ans, les 40 ans de manigance. Parce que Dieu, il est là, lui, il est patient, il ne se presse pas. Tu fais tous tes jeux là, tu montes, descends, takateki, takata. Un jour là, tu vois que tout est tombé à l'eau. Paf! Tu te demandes maintenant, hey, là où tu vas partir pour régler, pour déboucher, pour boucher là, c'est déboucher. Là où tu vas partir pour bouger, c'est déboucher. C'est comme ça le karma de Dieu. Ça ne se presse pas. Ça va lentement comme ça, comme un caméléon. Doucement. Tan, 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 tan. Jusqu'à le jour où ça va éclater. Donc, toutes ces personnes qui sont frustrées aujourd'hui, qui sont victimes d'abus de pouvoir par ce régime, laissons dans la main de Dieu. Le karma de Dieu, ça ne joue pas, ça ne blague pas. Non, 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 non. Quand j'ai vu la vidéo, allez voir sur guineanewsbouba.com l'intervention de la dame Habibatou Bangoura. Elle est arrêtée avec ses bagages au dehors en 21e siècle, dans un état de droit. Une fonctionnaire de l'État expulsée qui n'est pas retraitée ni rien. C'est pourquoi on fait les live control. C'est pourquoi on ne sera jamais avec vous. Parce que vous n'avez pas pitié de cette population. Vous n'avez rien à foutre des citoyens lambda. Hein? Si cette Habibatou Bangoura était la sœur d'un des membres de ce régime, on n'allait pas l'expulser. Car, est-ce qu'on allait l'expulser? Si cette Habibatou Bangoura là avait une personne forte derrière elle, de ce régime, est-ce qu'on allait l'expulser? On allait oser aller faire arrêter les militaires là-bas? Vous êtes en train de creuser votre propre tombe.